On peut le voir, on est sur l'aire de départ de la Vie des Cimes. On va voir la course des enfants qui va démarrer dans quelques minutes avec un départ à 9h par équipe, parents, enfants. Donc ça c'est très festif, c'est dynamique, plutôt sympa de retrouver tous les enfants. Une minute, one minute. On se voit tout à l'heure, on se voit trop vite, c'est pas très compliqué à voir. C'est pas grave si t'es sale, t'es déjà sale. Cette année, c'est plutôt bien de pouvoir retrouver tout le monde et de pouvoir repartir sur une nouvelle édition, plus le lâcher de ballon, toujours aussi symbolique pour Gaël. Faites un bisou sur le ballon, parce que c'est tous ces bisous qui vont aller à Gaël. Et sur les coups de 10h, on va avoir tout simplement le départ des premiers sas jusqu'à l'arrivée au sommet. Troisième année que je fais. C'est les conditions de décembre. C'est moins pire qu'en 2017. Là, ça va être dur dans les neiges, ça va être dur. On a 700 coureurs d'inscrits. Tout le monde est là. Tout le monde répond présent à cette épreuve depuis 2016. Cinquième édition cette année. Alors au pied, un machin qui glisse pas trop. Téléphone, couverture de survie, des bâtons pour ceux qui veulent. Et c'est parti. Masque, tuba, palme, tout ce qu'il faut. J'ai pris les balles, moi, j'ai pris les montres en compte surtout. Bonne ambiance, bien sûr. Et à la première place, si vous pensez à faire le suivi, Arnaud Bonheur.